Au moment où le cerf m'a attaqué, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il m'a jeté par terre et m'a frappé au visage avec ses sabots. Cet événement m'a terrorisé parce que je regardais dans le viseur et j'étais convaincue que je filmais les derniers instants de la vie de mon mari.